Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un room tour de la chambre de ma fille. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je ne vais pas tout décrire pour tout ce qui est couleur de la peinture, tout ce qui est voilà, petits objets déco, jouets, etc. Tout sera repris en barre d'infos. On va commencer tout de suite, sachant que je n'ai pas tout. Ici au milieu, j'aimerais mettre un tapis de chez Ikea, un tapis rond que je vais chercher mercredi, mais j'avais hâte quand même de vous filmer la vidéo. Donc vous aurez le rendu final certainement sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous verrez la chambre avec le tapis. Ce sera plus joli. Donc il manque juste le tapis rond. Le reste, on est bon. Alors on commence par la gauche. On a tout d'abord des rideaux qui viennent de chez Maison du Monde qui ne sont pas encore coupés. Donc ils sont au sol pour l'instant. Mais j'aime beaucoup les motifs. C'est en... Je ne sais plus si c'est du coton, du lin, enfin c'est une matière très naturelle. Il ne coûte pas bon marché du tout, hein. C'est 70 euros pièce. Donc là vous avez quand même 140 euros de rideau. C'est vraiment pas donné, mais ils sont vraiment très jolis. Ensuite on a une petite balle ici de nœuds qui cache les tuyaux des radiateurs. On a le petit cheval à bascule qu'elle a reçu de sa marraine au baptême, qui est très joli. Qu'on a trouvé sur Amazon. Un petit panier qui vient de chez Verbaudet dans lequel je mets les couches. Et au-dessus, on a les serviettes de bain Timbu qui sont en fibre de bambou. C'est belge, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai en barre d'infos et je vous en reparlerai. De toute façon, je vous avais déjà fait un article sur Instagram, un post sur Insta. Ensuite, on a hop, le petit portant à vêtements qui vient de chez Shield Home. Il ne coûte pas très très cher. Honnêtement, il est de très bonne qualité, très facile à monter. Je l'ai monté moi-même. Et on peut mettre vraiment pas mal de choses dessus. J'ai encore plein de cintres de libre. Mais vous voyez que j'ai mis tous les pulls de Jeanne, salopette, robe. Et alors j'ai des manteaux. Vous voyez que j'ai quand même plein de manteaux. Des manteaux super jolis. Ça, c'est un que sa mamie a trouvé chez Trafic à 1 euro. Un manteau moumoute comme ça, c'est un 3 ans, mais quand elle l'a vu à 1 euro, elle s'est dit je peux pas passer à côté. Elle a bien eu raison parce qu'il est très très joli. Ça, c'est le manteau de chez Zara, sa grosse doudoune qu'elle met en ce moment pour l'hiver. Ensuite, on a un manteau qui est un petit peu grand en fourrure. On a sa combi pilote de chez La Redoute, une combi pilote de chez Shein et alors une combi aussi de chez Bigummy. Mais tout ça, vous les avez vus sur Instagram. Je trouve que ça rend super joli. Et plus tard, ben, Jeanne pourra choisir ses vêtements comme ça dans sa penderie. Ensuite, en dessous, j'ai le rangement à chaussures. Alors, il n'y a pas toutes ces chaussures, il manque encore ces pantoufles, ces kickers, mais elles sont en bas. En attendant, vous voyez un petit peu ce que ça rend. Les deux petits paniers là, ce sont des paniers pour mettre tout ce qui est bandeau, écharpe, bonnet. Les paniers ne vont pas rester, en tout cas pas ceux-là. Je vais changer de panier parce qu'ils débordent. Ensuite, on a pyjama, body. La grande panière qui est là, c'est pour mettre tout ce qui est pantalon, short. Voilà les bas. Et la panière d'à côté, celle-ci, c'est pour mettre tout ce qui est collant et chaussettes. Ensuite, on a la cheminée qui est ici. J'aime beaucoup la couleur. Vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez la couleur de la chambre de Jeanne. Je vous mettrai en barre d'infos parce que je ne sais plus le nom de cette couleur. J'ai repeint d'ailleurs la face avant du coffre de cette couleur qui est vraiment très jolie. C'est un beige rosé très très beau. Donc le coffre, il vient de chez Amazon que j'ai repeint. Ensuite, au-dessus, on a un petit bébé acheté chez Carrefour, tout simplement. On a la petite veilleuse Nookies. On a un doudou que je vous mettrai en barre d'infos aussi. Ils ont un Instagram, c'est très 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 joli. Il faut encore que je vous fasse des photos de ce doudou avec le prénom de Jeanne. Hop, regardez-moi ça comme il est trop beau. Ensuite, on a un petit cadre qui venait de chez Action et mon attrape-rêve qui vient de la Maison du Monde. Ensuite, pièce principale, je vous ai remis le matelas de Jeanne, même si elle ne dort pas encore dans sa chambre, mais c'est pour que vous puissiez avoir un petit rendu, un aperçu, on va dire. Donc le lit vient de chez Shield Home également, le sommier aussi, le matelas pas du tout, c'est un matelas orchestra. Je trouve ça très pratique. La seule chose, c'est que quand Jeanne fera ses nuits et qu'elle dormira dans sa chambre, je vais acheter aussi sur le site de chez Shield Home des barrières pour venir mettre une ici et une de l'autre côté pour que Jeanne puisse se retourner sans tomber du lit parce qu'elle bouge énormément la nuit. Du coup, je pense que je vais investir dans des petites barrières, mais je trouve que le lit Tipeee, c'est
juste trop beau, ça va très bien avec le petit portant. Donc voilà, c'est juste le top. Tu vas dire bonjour à Teddy. Ah, oui, mon cœur. Ensuite, j'ai la petite table de chez IKEA avec les deux petites chaises, mais elle ne va pas rester là. Pourquoi? Parce que, oui, c'est le petit loup où il y a la maman dedans. C'est pour ça qu'elle dit maman. Ça ne va pas rester là, ça va aller dans la salle de jeu parce que Jeanne monte dessus et c'est pas possible pour l'instant. Enfin, j'ai très peur qu'elle tombe, donc ça va aller dans sa salle de jeu pour elle peindre et colorier. Et là, à la place, je pense que je vais mettre une petite banquette pour elle pouvoir s'asseoir. Mais voilà, en attendant, c'est comme ça. On verra quand la salle de jeu sera faite. Vous verrez de toute façon sur les réseaux sociaux, je vous ferai des petites photos. Mais honnêtement, plus rien ne va bouger à part ce côté-là. Ce petit coin-là va bouger. Et alors, le tapis que je vais mettre ici. On a Oscar de chez IKEA que Jeanne adore. C'est un ours qui a coûté 9 euros, je crois. Mais elle le traîne partout, elle le kiffe. Ça, c'est le petit puzzle de chez EcoAlp. Vous pouvez les retrouver sur Etsy ou sur Instagram également. Des petits jouets de chez Plantoys que j'aime beaucoup. C'est des jouets que j'avais reçus d'ici de Sebio. Et Jeanne joue beaucoup avec les balles et joue avec ça. Elle arrive à les empiler maintenant, donc c'est très chouette. La petite voiture, elle ne joue pas encore avec. Et ça non plus, mais ces deux-là, c'est ses préférés. Et ensuite, on a une panière de chez Maison du Monde qui a quand même coûté 30 euros, si je ne me trompe pas, mais elle est vraiment très très jolie. Hein. Et à l'intérieur, j'ai mis tout simplement des petites peluches. Ensuite, on passe à ce côté-là, le côté que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un voile qui vient de chez Verbaudet. Non, pas de chez Verbaudet, de chez La Redoute, je confonds. Donc c'est un voile qui vient de chez La Redoute. J'ai mis simplement ici une petite étoile que j'avais achetée chez Action, il me semble, mais je l'ai depuis très longtemps. Je dois encore couper les étiquettes. Donc voilà, une petite étoile. Ça, c'est une petite guirlande qui vient aussi de chez Action, qui est très jolie. J'arrive à faire de très belles photos sur Instagram. La dernière photo d'ailleurs sur Instagram, c'est avec cette lampe-là. Je voulais l'acheter, mais au final, ça rend très 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 bien. On a Léon l'ourson qui est très 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 grand et que Jeanne adore. On l'a acheté 50 euros chez Dreamland si ça vous intéresse. Le petit tapis, c'est un petit tapis avec un petit tipi que j'avais reçu chez Chine. Donc je sais pas vous le montrer parce que c'était un ensemble avec un petit tipi pour chat. Donc voilà, mais j'aimais beaucoup les pompons. Là, c'est un coussin de chez IKEA, rose tout simple, rose poudré. Et alors, un petit coussin en fausse fourrure aussi de chez IKEA. Ils coûtent pas très cher ces coussins-là, honnêtement. Et ensuite, ici, on a le petit coin bibliothèque pour Jeanne. C'est une bibliothèque qui vient de chez Verbaudet, qui est, il me semble, à 70 euros, si je ne me trompe pas. C'est peut-être un peu cher, mais elle est très solide, de très bonne qualité. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle est à hauteur. Donc c'est très pratique pour les enfants qui ne savent pas encore se lever. Ils peuvent essayer de s'accrocher pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de mettre des livres, hein, vous pouvez mettre autre chose. Mais ça force les enfants aussi à la curiosité, à s'attraper, à essayer de se mettre debout. Et voilà, je trouve ça très 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 pratique. Donc voilà la petite chambre de Jeanne. Si elle n'est pas trop mignonne, avec papa qui lit un livre à Jeanne, parce que c'est bientôt le soir, on va se mettre en pyjama. Je vous filme le room tour très très tard, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous mettrai des photos de toute façon sur Instagram avec le tapis au milieu, ce sera super joli. J'ai vraiment très 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 hâte que la chambre soit finie, il manque plus que le tapis, donc on va aller chercher ça mercredi. En attendant, on vous fait des gros bisous. Moi, je vous liste tout en barre d'infos. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt !